Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Puyo Puyo Tetris. Aujourd'hui je vais vous présenter et vous faire une vidéo très rapide sur les principes de base de Tetris, comment on joue à Tetris. Ça va être très rapide puisque je pense que tout le monde a déjà joué à Tetris dans sa vie. Et je vais surtout vous présenter des astuces pour terminer le mode aventure sans trop de difficultés. Et que dis-je, c'est vraiment difficile en fait, mais je vais vous expliquer comment on peut essayer de faire ça un peu plus facilement et surtout comment s'entraîner, etc. Donc je suis pas une pro de Tetris, je préfère l'expliquer dès le début. C'est vraiment une vidéo pour les débutants et ceux qui ont vraiment besoin d'astuces pour débarquer dans ce jeu. Je sais qu'il y a de meilleures astuces, etc. Mais je vous présente les miennes que j'ai faites tout au long du jeu pour avoir le platine. Et sachez que ça fonctionne puisque j'ai le platine actuellement. Donc je vais vous présenter ça dans le mode versus et en endurance, comme ça j'aurai tout à fait tout le temps que j'ai, enfin que je veux pour vous présenter tout ce que je veux vous présenter. Donc voilà. Donc on va revenir sur les principes de base de Tetris. C'est des pièces que vous devez assembler sans faire de trous pour pouvoir faire des lignes. Et en faisant ces lignes là, en fait, vous allez battre votre adversaire et envoyer des déchets à votre adversaire. Donc le but, c'est que votre stage n'arrive pas jusqu'en haut et aussi en même temps d'envoyer un maximum de choses à votre adversaire tout en ayant un petit peu de score aussi. Donc là, vous voyez en fait ma première astuce, je vous la présente tout de suite. Il s'agit en fait de mettre un maximum de pièces dans votre stage sans faire de ligne. Et donc dès que vous avez une pièce qui va vous créer un trou, forcément vous lâchez la barre. Vous gardez toujours une barre en fait avec R1 pour garder une pièce d'ailleurs. Et quand vous mettez votre barre, bah du coup ça vous fait pas de trou en fait. Vous pouvez toujours garder quelque chose. Donc là vous voyez, j'ai beaucoup de déchets qui arrivent et sur ce jeu ils arrivent par le bas. Donc là, je suis obligée de libérer mon stage pour pouvoir gagner, puisque si j'attends jusqu'en haut, eh bien je vais perdre en fait. Donc du coup je suis obligée de libérer mon stage, hop, pour pouvoir essayer de pas perdre tout simplement, quoi. C'est assez simple et comme vidéo, hein, je vous dis tout de suite. Donc voilà. Donc là je vais perdre, mais ça tombe très bien puisque je vais pouvoir vous présenter une autre astuce. Donc là, vous voyez, j'ai une barre, donc j'ai éliminé une ligne de garbage, sachant que ça compte dans le score, donc c'est absolument parfait. Donc ça peut être une astuce aussi, c'est d'essayer d'avoir plein de déchets et qu'en fait, vous les enchaînez à fond, quoi. Sachez que dans certains modes du mode aventure, les techniques que je vais vous présenter ne sont pas valables. Et que il faudra vraiment faire un maximum de lignes, juste enchaîner, même sans faire de Tetris, pour pouvoir gagner. Ça dépend vraiment de chaque mode. Et si vous avez de la chance, normalement j'ai fait mes descriptions, donc vous devriez pouvoir voir quelle astuce il faut prendre pour venir à bout du stage en question. Donc là, j'aimerais bien, je vais perdre comme ça, hop, voilà. Donc là normalement quand vous commencez un stage, il y a déjà deux façons de savoir si vous allez vous en sortir ou pas. Quand vous commencez un stage par exemple avec la pièce verte que j'ai en haut là, dans la case next, en général je recommence parce que c'est le genre de pièce que quand vous la mettez, soit vous êtes assez débutant et du coup ça vous fait un trou, ou alors vous allez avoir du mal à placer votre autre pièce. Enfin, vous pouvez la placer, hein, ça c'est pas un souci, mais voilà, en général je recommence. Et les fois où je vous conseille fortement de recommencer, où c'est presque voilà déjà perdu d'avance, pour le non-trou je parle du stage, c'est quand vous avez deux fois la pièce que vous avez en haut mais dans le sens inverse. Donc ça, c'est vraiment la chose merdique que vous avez dès le début, quoi. C'est vraiment... sachant que, bon, c'est possible quand même de garder ces pièces-là, mais ça reste quand même chiant, quoi, dès le départ. Je vous conseille aussi de très régulièrement, dès que vous avez une barre qui arrive, quand vous commencez le stage, de la garder. Mais par contre, faites attention, car si vous avez déjà gardé une pièce au début du stage,
Enfin, il faut que vous puissiez la placer pour remplacer la barre. Et des fois, vous avez beaucoup de barres qui arrivent aussi, et ça, c'est absolument horrible. Donc, vous gardez une barre, et dès que vous avez de quoi faire un Tetris, vous l'envoyez. Donc, sachant que dans certains modes, en fait, il faut simplement enchaîner des lignes, et ça combote, en fait, je crois que c'est en mode swap, où vous avez ça. Donc là, vous voyez, j'ai gardé ma barre. La première, je l'ai mise parce que, bon, bah, des fois, vous avez d'autres barres qui arrivent après. Donc voilà, c'est possible. C'est un peu vraiment au jugé, quoi. Là, vous voyez, je vais forcément faire un trou. Donc je prends mon autre barre, mais je la place pas à côté puisque j'ai pas un Tetris qui arrive. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu un stage de crotte pour l'instant. Et enfin, j'ai pas bien disposé mes pièces. Donc du coup, c'est pas très. Pas très optimisé, mais vous voyez, donc là vous pouvez aller jusqu'en haut du stage hein, sans souci. Il suffit, des fois vous pouvez avoir deux. Attendez, je suis concentrée, hop, hop, vous pouvez avoir deux Tetris qui s'enchaînent et ça c'est super cool. Ou sinon, vous pouvez essayer aussi de faire un stage clear. Bon, en général, ça arrive très durement, mais faut pas essayer de l'avoir quoi, parce que c'est pas facile à avoir. D'ailleurs, vous avez un trophée où il faut avoir, je crois, 5 clear d'affilée ou un truc du style. C'est absolument, enfin, c'est un truc de ouf quoi, à avoir ça. Donc là, vous voyez, j'ai changé ma pièce parce que j'allais avoir un trou, mais en fait, c'était la même pièce, donc j'ai fait n'importe quoi. Et donc là, j'ai fait un trou. Donc là. Donc j'enchaîne et j'essaye de libérer mon stage en fait pour que mon trou, pour arriver au trou et ensuite arriver à. Oh, voilà. Ça c'est le genre d'erreur où quand vous le faites, il faut absolument recommencer. Donc là, je fais start over et je recommence. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mon high score qui se met en route dès le début et j'ai gagné 8 fois contre en endurance. Donc là, voilà. Donc ensuite. Je vous conseille aussi d'avoir souvent des trous sur votre stage, enfin des trous sur la dernière ligne du haut, car quand vous avez des pièces comme ça, c'est super pratique. Ensuite, la deuxième astuce, enfin l'autre astuce que je voulais vous présenter, c'est que vous voyez sur cette ligne-là, j'ai deux cases en trous, et je vous conseille pas de faire ce genre de choses, par exemple, que j'allais faire, parce que sinon vous êtes obligé d'avoir une barre. Et les barres, il vaut mieux les garder pour faire des Tetris. Parce que là, ce serait compliqué. Ce serait vraiment compliqué à combler. Des fois, il vous faut genre 3 barres pour faire un Tetris et ça, c'est même plus négociable, quoi. Là, c'est vraiment très chaud, quoi. Donc là, je vais libérer l'espace un maximum. Donc, faut essayer de mettre le moins de pièces possible au-dessus du trou en question, parce que sinon, bah, ça vous fait encore plus attendre et du coup, votre adversaire peut carrément vous tuer, en fait. Hop. Et donc là voilà, j'ai libéré l'espace et donc j'attends une pièce pour pouvoir pour pouvoir combler ce trou là. Donc là il me faut une barre du coup. Hop. Donc là je fais la touche haut pour poser mes pièces rapidement, mais vous pouvez faire la touche bas pour la poser moins rapidement et avoir le temps de la poser. Hop, voilà. Ensuite, une astuce aussi, bon, qui paraît qui pas évidente pour tout le monde, c'est que quand vous avez une pièce de réserve, par exemple, là vous avez vu, j'ai une pièce rouge de réserve. Si j'en ai une nouvelle pièce rouge et que j'ai pas trop le temps de réfléchir, que c'est compliqué, etc., je peux très bien faire R1 et donc ça échange mes pièces pour avoir un peu plus de temps, puisque du coup, quand vous faites R1, la pièce retombe du début. Donc ça vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir. Et des fois, bah, ça peut vous sauver la vie tout simplement. Donc là, je vais perdre, ou alors ou pas, parce que voilà, ça, des fois, tout se retourne rapidement. Alors là, vous voyez, mon CPU, il m'en voit rien, il est très gentil, mais des fois, vous tombez sur des CPU, mais absolument horribles, et pareil, c'est perdu d'avance. Donc là, vous voyez, j'enchaîne les lignes pour descendre mon stage, et j'ai pas trop le choix de faire ça, puisque en fait, je peux pas faire de Tetris, vu que c'est des trous, bah. Enfin, c'est des trous en fait. Donc là, pour descendre mon stage, le seul moyen que j'ai, c'est de clear mes pièces et en fait ensuite de mettre des pièces dans les trous en fait qui sont. Donc là, vous voyez, j'augmente trop mon stage et donc du coup, c'est pas très bon quoi. Donc là, il faut que je fasse un maximum de lignes. Hop. Et essayer de pas mettre trop de pièces au-dessus du trou en question. Donc là, je vais mettre ma barre. Hop. Et bah, si vous pouvez aussi prévoir les trous suivants ou essayer de ne pas mettre trop de pièces sur les trous suivants, c'est mieux. Hop, ça vous fait gagner un peu de temps, quoi. Donc voilà.
Hop. Là, on va passer à l'autre trou, juste après. Donc là, vous pouvez switcher très rapidement avec R1, ça c'est vraiment cool. Donc là, vous voyez, je mets longtemps à réfléchir. Donc voilà, là, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour être fort à Tetris. Après, le reste, ça reste de l'entraînement. Bah, malheureusement, il faut être assez rapide, surtout sur pas mal de stages. Il y a des stages en mode aventure où, justement, il faut être assez lent pour laisser le temps à votre adversaire de s'en remettre. Donc là, c'est vraiment dur aussi parce que bah, vous avez trop envie de faire des combos, mais en fait, c'est pas possible. Ou bien vous n'avez pas le choix de faire des combos et du coup il meurt et vous n'avez pas fait le score que vous deviez avoir. Donc là vous voyez, mon adversaire est mort et je passe à un autre. Donc là je continue. Hein, et ça peut durer très longtemps. Hein. Là par contre si je meurs, le mode endurance s'arrête et du coup bah, j'ai perdu quoi. Hop. Donc voilà. Donc vous voyez, je suis pas super forte à Tetris, sachant que j'ai perdu un peu parce que ça fait quelques temps que j'ai terminé mon walk. Donc voilà, donc là vous voyez, vous enchaînez les lignes, vous avez vu que votre score augmente tout le temps, il n'y a rien qui le fait baisser. Donc ça c'est vraiment cool aussi, ça vous permet de faire un max de score, et d'enchaîner rapidement. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur le Tetris, j'espère qu'avec ça vous allez réussir à finir le jeu. Et en tout cas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi parce que je serais ravie de les voir. Et je sais qu'il existe d'autres techniques très rapides où vous pouvez faire des trous et placer vos pièces dans les trous. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le T-Speed ou un truc comme ça. Mais alors ça, c'est vraiment pas de mon niveau, quoi. Je vous le dis tout de suite, c'est un truc que je peux pas vous présenter. Mais si vous êtes intéressé, je vous conseille quand même d'aller voir sur YouTube parce que c'est absolument super impressionnant, quoi. C'est les gens, enfin surtout les Japs sont super forts, quoi. Et c'est un truc de ouf, quoi. C'est des fois waouh, je me dis vraiment, s'il faudrait vraiment je m'entraîne très longtemps avant d'arriver à ce niveau là quoi. C'est voilà. Donc moi je vous présente ça comme ça, mais je pense que ces joueurs là vous présenteraient ça mieux que moi. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, je ferai la même vidéo sur Puyo, un peu plus poussée, puisque Puyo c'est un peu moins connu. Et j'espère qu'elle vous aidera aussi pour enchaîner le mode aventure. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à une nouvelle vidéo sur Puyo Puyo Tetris. Allez, salut!